Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça Bonjour. va tranquillou, on sent déjà la lourdeur de la canicule là. J'ai un énorme brouillard à 8h du mat chez moi. Donc le soleil va se taper jusqu'à 22h. Enfin 21h plutôt maintenant, c'est vrai qu'on arrive vers la fin août. Les jours raccourcissent, mais bon bref. Ça va, j'espère que vous aussi. Je suis un poil plus frais qu'hier. C'est vrai qu'hier j'avais une gêne pas cool. Je pense que je devrais m'arrêter à diffuser vers les 16h30. Je vous avouerai que je me vois faire un relais à Christella. Voilà, donc je devrais faire paisiblement. 6-7 heures de jeu aujourd'hui, donc c'est que du bonheur, c'est un régal. Ah, je suis tentant. Vilaine araignée. Beau. Ça, c'est irrésistible. Merde, normalement, en temps normal. Voilà. J'ai pas réussi à choper le caillou. Ah, une jarre. Une jarre du matos. Comment ça va faire? Ah! Elle m'a eu la vilaine. Ah bah, c'est la sortie. Ah. Attends, elle est où la blonde? Ah, elle est loin là-bas. Ouais, bah je vais faire péter les pics. Oh! Énorme! Énorme, énorme! Oh non, l'autre teacher. Allez. Allez, viens, on se barre en quatrième vitesse. Merde, un scorpion. C'est embêtant. Tant pis pour le chien, dit la blonde. Ce que je vois me plaît énormément. Ah oui, d'accord. Merde! Putain, comment j'ai merdé? Oui, descends bien, bien bas, l'araignée, s'il te plaît. Merci.
Ah, je voulais poser la pioche, bordel. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant que j'ai la pioche, j'arrête plus. Mais. Oui, j'allais dire, ramasse la pioche, abruti. Alors, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Bah, voilà. C'est très très embêtant. C'est très très embêtant. Ah. C'est très bien comme ça. On entend la blonde, mais ah. Déjà, je peux m'offrir de l'or, mais je suis vers le bas, abruti. Ok. Ah la vache, le caillou a rebondi vachement loin. J'ai pas l'impression que la flèche ait été tirée. Bizarre. Alors ça c'est ballot. Ça c'est vraiment ballot. Ah, le gravat de l'explosion qui déclenche le piège et je me retrouve avec une flèche suppositoire mortelle. Ça c'est fort, ça. Plus fort que du roquefort, là, comme dirait l'assureur, c'est un Finlande pion dans Tintin et Milou. Ah, c'est moche. Vraiment. Ha 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 ha!
diplôme d'escalade offert. Waouh. Je suis un abruti fini. Oi, 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 oi. Magnifique, autant y aller, ouais, parce que j'ai fait de la mouise. J'ai fait de la mouise magistrale. Bonjour Ronny, waouh, ça fait longtemps Ronny. Comment vas-tu? Ah, ça me fait plaisir de te lire. Oh, je t'avouerai que t'es le premier arrivé, hein. Là, je suis peinard, pépouze depuis que j'ai lancé il y a un quart d'heure. T'es le premier arrivé à se manifester. Mais comment vas-tu, Ronny? Hop là. Oui, je suis désolé, je te vois en live, mais j'ai pas le temps de venir. Ah, mais oui, mais bon, c'est la vie, c'est assez cruel, hein, mais l'essentiel, c'est que t'ailles bien. Alors, j'espère juste que tu souffres pas trop de la chaleur, que t'arrives à faire ton service de niveau taxi. Oui, t'es en repos, t'en profites. Ah, bah, t'as bien raison, c'est gentil à toi de venir me faire un coucou. Oh mon dieu, alors que j'y joue très mal. Tu viens de voir, j'ai balancé un joyau dans le vide. Oh. Sting. Alors, puis c'est particulier cette semaine. Je me suis pris congé. Donc, ça compense mes absences des week-ends, là. C'est pour ça que je suis exceptionnellement de semaine. Ça va, en Bretagne, on est préservé. Ouais, c'est bien. Mais d'ailleurs, elle est tellement avantagée, point de vue climat, ne serait-ce que ça, la Bretagne, que elle s'apprête à devenir, en un quart de siècle, d'après les statisticiens, je vais crever comme un caca, là, j'ai fait n'importe quoi, la Bretagne risque de devenir la région de France la plus peuplée d'ici un quart de siècle. Donc, peut-être qu'en 2050, ce sera le cas. Et c'est pas sans conséquence, parce que... Putain, mais je suis si lent que ça aujourd'hui. Combien de fois je vois le fantôme? Et autant que j'essaie de m'évader avec la blonde... qui est un blondinet aujourd'hui. Et c'est pas sans conséquence, en fait, le succès de la Bretagne, puisque... Merde, ah, il m'a touché. J'ai voulu la tenter, mais j'ai pas réussi à esquiver. Le... Ah, tu fais un festival de vin. Ouais, on bien. Bah, tu rigoles, mais... Tu sais que ça occasionne des véritables tensions. Moi, j'avais eu l'exemple durant la pandémie, le premier confinement. J'avais vu un reportage, en fait, justement, de l'immobilier qui flambe en Bretagne. Parce que tout le monde veut se barrer là-bas, ou presque. Et il y avait un jeune qui avait la hargne, et je le comprends. Il était furax, en fait, parce qu'il lui arrivait. Il avait cotisé tous ses mois de salaire en restant chez papa-maman. Pour pouvoir s'acheter un appartement ou une petite maisonnette en Bretagne. Alors, dans l'idée, son plan était parfaitement crédible. Sauf que l'inflation a fait, au niveau du succès
de la Bretagne, au moment où il était prêt à avoir son pécule à acheter, il s'est rendu compte que les prix avaient presque doublé. Donc il était dégoûté, il ne pouvait pas acheter. Il était condamné à être locataire. Et le jeune avait la hargne, et je comprends. Son idée était vraiment ingénieuse, sensée, réfléchie, mais les lois du marché ont fait que il ne peut plus s'offrir ce luxe. Ce luxe, pardon, je ne sais plus prononcer. Et c'est ce qui est en train d'arriver à toute la Bretagne. Ah, j'aurais bien aimé, mais comme il y a le piège... Oula, je descends comment, moi? Ouch. Ah. Ah. J'ai un petit souci. Oh, je peux utiliser une bombe pour ça, si. Ouais, non. C'est débile, là. Je l'ai mal géré. Oh, 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 oh. Double serpent. Le double serpent de la moitié. Non, mais c'est pas vrai. Le fantôme qui est déjà là. Vite, fais péter la porte. Surtout que l'arrivée est pas là. Merde, c'est de l'autre côté. On se barre, chef, vite. Ah oui, d'accord. Bon, là, ça va. J'aurais sauvé mes fesses, mais j'ai plus de bombe. Ce qui est pas bon. Oui, alors, attends. Mais vous voulez quitter les grandes villes? Oui, les gens voulaient quitter les grandes villes. Les Parisiens nous ont envahis. Beaucoup sont retournés en leur ville, car c'est beaucoup trop calme. C'est pas faux. Vu la trajectoire de ma jarre, ça n'a pas déclenché le piège? Oh merde! J'ai pas la notion de la portée des jets. Ah, putain, là, je peux rien faire. Allez, donc, je m'offre une corde. Oh oui, j'ai bien fait. Oh que oui, que j'ai bien fait. Ça veut pas tomber, bordeloum. Ah, ça me bouffe. Saleté. Je devrais la déclencher, la saleté là. Mais ça veut pas. Oh, fallait pas, merci. Surtout que les temps sont durs. Hein. Moi, je t'avouerai que je renouvelle même plus mes abonnements. Je préfère garder mes sous-sous parce que j'ai encore tourné de l'œil cet été quand j'ai vu le prix au kilo de certaines marchandises à manger. Elle est loin l'époque de mes boîtes de merlan pané à 3 euros. Aujourd'hui c'est 4,5 € si c'est pas 5. C'est douloureux. Ah là là. Bon bah tant pis pour la bombe, moi je me barre. Vous du diou. Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Serveur Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux, des l'achat commun de sur le chemin. C'est vraiment que je fais quoi. Merci beaucoup. Bisous, 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 bisous. Le coffre que j'ai ouvert était piégé.
Tiens, tu veux que je t'en raconte une bien bonne, Ronnie? Normalement, j'ai une formation que j'aurais dû démarrer lundi, que je reporte d'une semaine. Figure-toi que le directeur de l'établissement doit être hospitalisé suite à un probable accident. Hein, je suis pas dans le secret du... Et j'avais lu ça cette semaine en pointant mes courriers, là, un soir, il y a deux soirs de ça. Littéralement, là, je peux pas passer dans cette configuration de tableau. Ouais, du coup, ça décale ma formation d'une grosse semaine. C'est pas la fin du monde, mais bon. Ouais, non, mais je suis mort. Je pouvais pas passer. La configuration, là, je l'avais encore jamais eue. Elle est juste impossible. Ça, c'est un truc de fou, là, ce que m'a fait le jeu. Bah, d'une semaine. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer lundi qui arrive, ce sera le suivant. Ce sera le suivant. Ça va, ça aurait pu être pire comme gêne, mais ça va. Alors, la blonde est très mal placée. Donc, je me vois pas l'aider, la pauvre. Ah ouais, elle est vraiment très très mal placée. En plus, il y a un énorme précipice en dessous. J'ai failli me faire avoir avec la toile d'araignée qui m'a ralenti, j'ai failli tomber dans les pics. Je vais essayer de sauver la blonde. Oula, qu'est-ce que c'est que ce dessin de... Marchera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Putain, il faut que j'arrive à placer ma bombe là. Mais non, mais je l'ai lancée au lieu de la poser. Oh, je joue mal aujourd'hui, c'est une horreur. Vous me direz, j'ai dit pareil hier, donc c'est pas de bonne augure. Au début, je crois que c'était Mario. Ouais. Oui, pensez au directeur, oui, qui va scoltiner une opération. Bah là où il m'a donné le détail, c'est qu'il m'a dit que c'était mardi qui arrive où il doit se faire opérer. Et du coup, ça neutralise la bonne gestion de son établissement pour la semaine, puisque je présume que derrière l'opération, il va avoir un peu de convalescence, donc presque quasiment toute la semaine. J'en reviens pas d'avoir sauvé la blonde. Vous allez voir que le fantôme va arriver parce que je suis resté à clampiner plus de 3 minutes dans la mine. Attends, de toute façon elle est obligée de descendre. Ah oui, mais elle descend un peu trop là. Hop là! Oh la vache! Attends, j'ai loupé des trucs moi. Ah non, il y avait juste le caillou. Je pense que je peux négliger le caillou. Ou pas. Oula, vite, merde. Ah. Ouh, j'ai chaud. De la rééducation, oui, je sais pas. Possible. De toute façon, l'organisme, il y a toujours un contre-coup, le temps de se régénérer et de retrouver sa forme. Mais voilà, quoi. Du coup, j'ai dû complètement repenser ma fin août, début septembre, au niveau agenda. Ouais, même pas peur. Hein. Tu m'étonnes. Merde, j'ai lancé une bombe au lieu d'un coup de fouet. Il me reste plus qu'une bombe et j'ai plus de cordes. Là-bas, je suis pas dans la mouise, moi. Pas plus la vilaine. Ah, la chauve-souris. On voit une lumière en bas, une lupiote, ça veut dire qu'il y a un marchand. C'est une boutique chez le marchand qui d'ailleurs propose des articles qui m'intéressent absolument pas. C'est prodigieux.
c'est trop haut, je peux pas l'atteindre. Ah merde. Ouais, désolé, Blondinet, désolé. Ah bah tiens. Très bien. Comme ça, lui, il est sauvé et moi, je me barre faire mes emplettes dans le niveau. Parce que... Oula, il y a des choses, là. Oula là, il y a des choses. Il y a des jars. Merde. Salopard, il m'a eu. J'ai pris le risque, j'ai perdu. Oh, je regrette même qu'il n'y ait pas eu de caisse de matos. Non, ça me met pas du tout dans le caca. Non, non, non. Mais je vais appeler Ghostbuster. Non, non, ça me met pas du tout dans le caca. C'est juste qu'il faut se réorganiser, quoi. C'est le souci. Bah, pour te faire un aveu, théoriquement, finalement, ça devrait m'arranger. Parce que la formation se faisant à Nancy Intramuros, donc on va dire à 3 bornes vol d'oiseau de chez moi, ce qui est vachement confortable. La semaine qui arrive, c'est la semaine de chaleur, là, où il va faire 33, 35 à l'ombre toutes les après-midi. Donc si la semaine suivante, avec le décalage, ça peut être plus frais, ça m'arrangerait énormément. Voir qu'au final, je vais avoir tous les avantages. Ce serait merveilleux. Non, le plus chiant, tu sais, c'est se réorganiser au niveau agenda, organisation, boulot, quoi. Entre autres. Mais non, je vais pas m'en plaindre. Il m'a encore généré un tableau aléatoire, mais c'est un truc de fou. Ah, oh, merde. Merde. Il y a des trucs intéressants là, il y a des richesses, mais je peux pas les revendiquer. Ah, oh, c'est dégueulasse, je suis obligé de faire voilà, usage d'une bombe pour déclencher les... Allons-y, il y a des choses. Là, y a rien. La bombe est là-bas. Oh non, c'est dégueulasse. Oh là 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 là, la config de mort. Et puis là, j'ai plus de cailloux, j'ai plus rien. Oh, c'est deg. Ah, c'est archi dégueulasse comme... Je sais plus quoi faire, moi. Sacrifie une corde, je remonte là pour aller rechercher une flèche que je vais balancer pour provoquer le piège et pas me prendre le projectile mortel dans ma tronche. Voilà. Et là je peux, hop là. Ça aussi c'est dégueulasse comme config. Pff. Oh là 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 là. Mais non, mais vous êtes pas sérieux les gens. Oh là là, mais c'est injouable ce tableau. Il est infect ce tableau. Bah oui, le fantôme il se pointe, tu m'étonnes. Comment veux-tu que je progresse dans ce tableau de la muerte là? Putain. Mais l'araignée, je suis obligé de me la manger. Ah, il y avait un marchand. Les bombes, je viens. Fais attention comment tu parles, il y a mes filles qui regardent LOL. Ah oui, pardon. Les formations... un gros mot, tu dois donner un euro. À mon lieu. Les formations, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est nécessaire. Ouais. Alors, en fait, la formation que je vais faire, là où elle va m'aider professionnellement, c'est que... Oui, c'est bien que tu rigoles. Elle va m'aider en fait à faire de meilleures topologies réseau. Et en fait, c'est le dessin du réseau si tu préfères. Comment représenter le tout parc informatique que tu gères. Je vais apprendre à mieux le représenter avec ça. Et ça va m'aider grandement. Merdoum.
Oula. Ah, il propose quoi le marchand? Oh joli. L'araignée qui s'est mangé la flèche. La flèche de la moelle. Oh le serpent, il va finir compacter avec le coffre. Oh là 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 là. Je suis gâté moi je trouve ces jours-ci avec la génération aléatoire de tableaux. Il me fait de ces combinaisons. Laisse tomber. Je suis là, mademoiselle la blonde. Je sais plus comment faire pour vous en sortir. Attention, barrez-vous, ça a pété. Bonjour, Torota. Moi, ça va bien, merci. Ah, à part que j'ai le vilain. Oh merde, j'ai fait tomber de l'échelle. La pauvre. C'était pas souhaité. Chakalakabo. Oh mon dieu, il se passe quelque chose, j'ai entendu l'alerte de chaîne. J'ai fait ding dong. Ding dong. Oh, je rêve ou la blonde s'est sauvée? Ah non, dommage. Dommage. Ah, tu te réinscris. Merci, Torota, c'est adorable. Ouais, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Hein. Je suis un peu plus frais qu'hier. Oh. Ouf. Ce gadin. Oh merde, il y avait un marchand en haut, il m'intéressait. Mais non, mais il arrive trop tôt, le fantôme. Mais je veux mon matos, moi, va-t'en. Je suis mort. Et puis, il avait un pack de 12 bombes, le marchand, je l'ai tout acheté. C'est une honte, c'est scandaleux. Ça va super, c'est Istre. Cool. Merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Ah oui, moi je suis tout plein, c'est généreux. D'ailleurs, cagnotte de la chaîne. De la chaîne. La cagnotte des éditions Hachette. Si tu veux être à la page et je t'ai acheté tout un rayon de bouquins. Non, je déconne. La cagnotte de la chaîne qui est intacte. Hein. Je sais plus où j'en suis. Et j'y ai pas touché. Parce que j'ai tellement de jeux à faire que là, ça va niveau budget. C'est plus le temps qui me manque pour jouer qu'autre chose. C'est beau hein, d'avoir cette ivresse et ce confort. Mais je finirai bien un jour par puiser dedans. Je me demande d'ailleurs si la première fois que je puiserai dans la cagnotte de la chaîne, ce sera peut-être pour financer le serveur Minecraft, le paiement pour 2 ans là. Je sais plus, il me faut 200€ je crois maintenant pour 2 ans. C'est 100€ par an de location de serveur. Attends, mais cette config de mort, mais c'est pas possible. Voilà. Oh. C'est désespérant comme l'appareil qu'est-ce qui m'a fait le jeu. Comment veux-tu que j'atteigne la zone? Oh là 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 là. Oh. Désolé. Oh là, une caisse de matos, mais il y a tellement de roches à péter que. Laisse tomber. Ah, pépite. Ah! Ah! J'ai eu trop peur avec la chauve-souris. Comme pour ça, j'ai désolé d'être très peu présent pour les lives, mon excuse te retarde. Ah ouais. Ah, tu fais comme tu peux. Tu fais comme tu peux. Je vois rien. Oh non. Il y a un hôtel de Cali pour faire des sacrifices honteux. Et chercher cadeau. Les scarabées de l'obscurité. Ic. Merde, c'est. Je crois que c'était la jarre que j'avais balancée. Pas la torche. Voilà, du coup, il y a une araignée qui se. Oula, c'est quoi cette configuration de. Oulala. Ouh lolo lolo. Merde.
Oui, non, trop tard. Merci. Cochonnerie. Alors attendez. Attendez. Ah, il vend des cordes éventuellement, ce marchand. Mais comment tu veux atteindre les lucioles, là, scarabée dorée? C'est pas possible. Clic. Oh, joli. C'est comme ça qu'on fait. Bref. À moi la tunache. On veut de la tunache. Oula, la belle araignée. La belle araignée de la muerte. Ah, j'ai entendu la blonde, mais je la vois pas. Attends, je vous achète des cordes, monsieur le marchand. J'entends la blonde, mais je la vois pas. Comment ça, help? On entend dire help. Ah, j'aurais dit sur la droite. Ah bah oui, il avait en dessous, merde, j'avais pas vu. Merde, ah j'ai pu penser à la... Oh, je fais cramer la petite araignée, dis donc. Alors là, en déclenchant la grosse, pas bien. Pas bien. Merde. Ah non. Oh, puis il y a le fantôme qui est déjà là alors que... Merde. Elle m'a eu. Ah oui, hydrater le sage, t'as raison. Alors, si ne t'inquiète pas, métier beaucoup de temps, comprends tout à fait, t'inquiète pas. Oui. Allez, c'est la dernière, après je passerai à je sais pas quel autre jeu. Oh, je résiste pas à avoir du matos. Cache de matos. Voilà. Bon, le reste ne m'apportera rien. Après, je me demande si je vais pas basculer dans les tutures. Je vais peut-être faire la suite de Flat Out, mes championnats, là. Histoire de me défouler. Oh, tout ça pour un joyau. C'est fou quand même. C'est fou. Alors attends, prenons le temps d'analyser ce qu'il y a en dessous. Ah! Ah! Il y a des choses en dessous. Il y a des choses qui valent le coup. Ça vaut moins le coup. Voilà. Attendez, jarre 1 et jarre 2. Ah, là, d'un coup d'œil, j'ai vu la sortie en bas. On a vu le chambranle, c'est-à-dire l'encadrement de porte. Ah, ah, ah. L'endroit est intéressant, mais j'en aurai pour le mon algin. Puisqu'il faut que je place des cordes pour accéder à la zone. Comme ça. Ça c'est beau. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Le fantôme va arriver. Parce que j'aurais mis plus de 3 minutes. Donc il va essayer de me bouffer l'autre et de... C'est terrible cette pression des 3 minutes. Je regrette vraiment dans Spend Lucky qu'il n'y ait pas un mode de jeu où le fantôme est désactivé. Parce qu'il y a des moments où j'adorerais flâner pendant au moins 10 minutes dans un tableau. Mais c'est 3 minutes et c'est tout. Voilà, le v'là déjà. Tiens, je prends un peu plus de tunas. Non, tu ne m'auras pas. Tiens, d'ailleurs, je rebois un deuxième coup.
Ah, la pioche, c'est la vie. Merde, je lui ai foutu un coup dans le cul. Excuse-moi. Attends, c'est pas dangereux si je chute en bas? Non, ça va. Bon, bah, vas-y. Allez, hop. C'est par là-bas qu'il faut que tu te barres. Moi, je continue mon exploration. Il y a même un marchand dedans. Je laisse tomber hein, la clé. Ah, il y a des petites bombes. Il a des petites bombes. Ouais, je vais descendre par là, ça serait mieux. Oh non, mais la pioche, c'est la vie. La pioche, tu redessines les niveaux comme tu veux, c'est un bonheur. Voyou, monsieur le machin. Ah. Ouais, tant qu'il n'y a pas de pique. Merde! Oh, je sais plus chuter en rappel. Heureusement que c'était pas plus haut, sinon je perdais une vie. Pardon. Ah, la sortie par là-bas. Déjà? Attends, mais ils abusent. Ah, tu vas avoir un petit souci, le mondinet, quand tu vas sauter. Je sais pas où est le fantôme, mais ça craint. Ah, merde! Merde. Je suis vraiment dans la mouise, là. Je suis dans l'ultra mouise. Wow! J'ai eu du bol. Voilà. Merde, ah, il est mort. Dommage. J'ai combien le bijou? Ah non, c'est l'esclave, c'est autre chose, Dunder. Ah, je veux bien, allez, on va rigoler. Mais il s'est retourné contre moi, l'autre. L'autre, il m'a violenté. Mais dis donc, je te permets pas, toi. Mais va mourir. Mais l'autre, mon esclave qui me violente. Je savais même pas que c'était possible. Mais il est fou, lui. Ah, la blonde est là. Merde. Tout est parti en quenouille. Tout. Voilà, c'était Spen Lucky. Oh yeah.